Face me. Bonjour, je m'appelle Kaizen Gell, je suis un jeune stop motion animateur, j'ai 19 ans, je fais des stop motion avec des figurines. Le stop motion, on peut faire ça avec toutes sortes de choses, mais moi j'aime faire ça avec des objets, par exemple mes figurines, parce que j'aime donner vie à mes figurines, j'aime créer des scénarios. Et ensuite, après avoir pris les photos, on fait un montage sur l'ordinateur. C'est pas si difficile. La seule vertu qu'on a besoin, c'est la patience. Si on veut que l'animation soit beaucoup mieux, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut prendre plus de photos. Quand il faut bouger les figurines aussi, il faut faire ça très méticuleusement. C'est comme si on prend les photos très brusquement, ça va pas être smooth comme si. Ça va être très rough l'animation. Où est-ce que tu as appris ces techniques? En fait, moi j'ai appris tout par moi-même. Donc j'ai commencé en 2012 quand j'ai vu un tuto sur YouTube. Ensuite j'ai élaboré, j'ai commencé à me développer. J'ai appris des trucs pour moi-même. Avant que j'avais 12 ans, j'avais vu des vidéos. Il y avait des figurines qui étaient en train de bouger. Moi je croyais que c'était des jouets très nouvelle génération comme c'est. Des jouets très évolués. À cette époque-là, je ne savais pas que c'était des stop motion. Avec le temps, j'ai appris que c'était le stop motion. Donc depuis tout petit, avec les jeux vidéo, etc. J'aimais créer des scénarios et j'avais aussi beaucoup de figurines à l'époque. Enfin, j'ai toujours beaucoup de figurines, mais avant c'était des figurines très plastiques, comme si c'était des faux. Bien, j'aimais donner vie à ces figurines. J'ai créé des scénarios dans ma tête. En fait, toutes mes figurines, comme si elles sont vivantes pour moi. Je les donne beaucoup de valeur. Donc, avec le temps, en 2012, quand je commençais à collectionner vraiment des figurines très genuines, j'ai commencé à acheter sur eBay, donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'articulations, etc. Oui, c'est plus facile de manier, je peux faire les mouvements, tous les mouvements que j'ai envie. Et à cette époque-là, j'avais déjà découvert le stop motion à travers YouTube. Donc j'avais commencé petit à petit, avec un petit caméra, de prendre des photos. C'était très bâclé, mais j'étais toujours fier du résultat. Les scripts, moi-même, j'ai écrit. En fait, ça dépend. Il y a des scénarios où il y a des voix que les gens doivent faire pour moi. Donc, j'ai beaucoup de correspondants, des amis à travers le monde. La plupart sont des Américains, comme si maintenant, si j'ai besoin des voix pour qu'ils fassent dans mes vidéos, donc j'ai les contacts. J'envoie le script et ensuite, ils vont m'envoyer les lignes. Il y a qui font gratuitement. Et il y a des personnes aussi, il faut les payer. Mais moi, j'ai déjà des contacts qui le font gratuitement pour moi. Mon univers, c'est comme si il y a moi, il y a mes figurines, il y a les comics, il y a les mangas. Mon univers, c'est ma paix comme si. C'est là que je trouve ma paix quand je fais mes stop motion. Ça, c'est ma passion. C'est comme si je suis en train de me plonger dans mon propre univers. C'est très relaxant, enfin, ça guérit. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as terminé stop motion? Je suis fier de moi, très fier de moi. Ouch. You're weak. Oh non. J'ai 1100 abonnés pour l'instant sur YouTube. En fait, j'ai pas été trop consistant avec mes vidéos parce qu'il y avait l'école, etc. Donc je faisais ça comme ça pour me divertir. Mais maintenant, là, je commence à plus m'investir dedans. Là, j'ai commencé une nouvelle série, donc j'ai fait des présentations des figurines. Maintenant, je viens de commencer. Je vais poster sur YouTube et ensuite je vais voir qu'est-ce que je peux faire d'autre.
comme si pour plus me développer dans le monde. En fait, moi, j'ai envie de faire ma passion devenir mon travail dans le futur. Tu penses peut-être qu'un jour tu pourras un travail pour Hollywood? Peut-être, espérons, c'est un grand rêve. En fait, là, je vais commencer un cours qui s'appelle Film Production à l'Université de Maurice. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce genre d'animation, le stop motion animation. Et il y a beaucoup de films aussi qui sont basés du stop motion, mais ils ne vont pas savoir parce que c'est tellement professionnel, ils pensent que c'est du 3D. En fait, c'est du stop motion mélangé avec du 3D. Mais ils ne vont pas remarquer la base de cette animation qui est le stop motion. Le stop motion, depuis très longtemps, ça a toujours été. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites de stop motion. Il y a même les dessins. C'est basé du stop motion en fait. Moi, je vais commencer d'abord pour faire le setup. Et ensuite, je vais écrire le script. Et ensuite, je vais chercher la figurine. Je vais la poser. Je vais mettre. Ok, il y a mon caméra, etc. Ensuite, je vais commencer à prendre les photos. Ça, c'est la phase 1 comme si. Il faut prendre les photos. C'est le côté filming. Il faut prendre beaucoup de photos dans l'intention de faire une animation après. Ensuite, la phase 2, c'est l'editing. La phase 2 est divisée en deux parties. Il y a l'effet visuel et ensuite, il y a aussi les sound effects. Ça, c'est le côté montage. Et ensuite, on termine, on fait le rendering et puis voilà, il y a le final. Par exemple, une animation de 4 minutes, s'il y a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup d'effets visuels, beaucoup de sound effects qu'il faut mettre, il y a beaucoup de personnages. J'avais déjà fait une animation 4 minutes, donc il y avait beaucoup de personnages, il y avait beaucoup d'effets. Ça m'a pris, je crois, un mois. En fait, ça dépend parce que dans l'ensemble, je pense que ça prendrait peut-être 2 semaines. Mes passions, donc il y a le stop motion, j'aime dessiner aussi et ensuite j'aime monter des maquettes. Ça, je viens de commencer. En fait, une partie de mes figurines sont en fait des maquettes. Ça vient en plusieurs pièces et ensuite je dois les monter. Ce sont des petits robots comme si en fait on appelle ça les Gundam. C'est une série japonaise, un manga. Mes parents m'ont toujours encouragé depuis que j'ai commencé ma collection avec mes figurines, mes stop motion, ils trouvent ça très chouette ce que je fais. Surtout que je me suis beaucoup développé, je me suis fait beaucoup d'amis. C'est très enrichissant comme une passion. Pour l'instant, je n'ai pas découvert aucune autre chaîne qui fait ce genre d'animation à Maurice.